Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la sur l'épisode de Star Wars V5, la Giraffe. Donc, chers amis, nous allons nous rendre d'ici quelques instants. Hein, je vais quand même réaliser un petit peu de rangement dans ces coffres. Non, ça je peux récupérer, je suis stupide. Ça, par contre, je peux laisser. Voilà, j'ai encore une chier d'objets. Hop. Ça, c'est le truc de mission qu'il m'avait donné, qui était pain spray, là, qui était naze. Ça, je peux donner. Ça, je peux donner. Ensuite, ce pistolet, je peux le virer aussi. Cette épée. Je vais la mettre là en attendant. Et déjà, avec tout ça, on va remettre quand même l'or ici, hop, là-dedans. On va se rendre, donc, sur l'outpost. Je vois que mon petit critter est resté depuis la dernière fois. Ça fait plus d'une journée que j'ai pas tourné un épisode de Starbound. Ça fait une journée, tout simplement. Donc ça veut dire que le critter reste dans le vaisseau. Donc c'est parfait. Alors, allons-y. Ils doivent bien se foutre de moi quand ils me voient. Hein. Hop, the bioimplant is yours. Ok, donc radiation resistance bioimplant. Explore radioactive planets. Ok, pourquoi pas. Oh, un Floran, génial. Non, te barre pas, je sais bien que je fais une partie de ton peuple. Il me faut une armure en durastyle. Et tes copains, ils sont où? En voilà un. Yo! Merci pour le ballon. Et il m'en reste normalement un. Non, même pas. Ah bah cool. Donc faut qu'on aille dans un système de type... comment? Radioactif, chers amis. On va tellement vite dans cette aventure. Hop. Faut que je lui amène 4 diamants. 4 diamants? Bah écoute, c'est faisable ça. C'est faisable. On va même retourner sur la planète de glace où on était, et puis on va recreuser en profondeur, on va retourner en profondeur plutôt, et on va aller en chercher. Je suis sûr qu'on peut en trouver rapidement. Je suis persuadé qu'on peut en trouver rapidement. Ah bah oui, c'est vrai, on était plus sur la planète de glace, exact. Exact. Ah bah du coup on va remonter. Et on va aller directement dans une planète de type radioactive, comme ça on pourra faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire récupérer l'armure en durastyle. Et aussi donc, j'allais dire autant, mais non, mais aussi. Hop, radioactive. Est-ce qu'on a une dans le système? Frozen. Ou pas trop loin alors? Radioactive Star, on en a une ici. Fiery, on en a une ici. Excentrique. Bon. Est-ce qu'on peut se rendre ici? Alors, si possible. Pas sur une Poisonous Ocean. Deux Poisonous Ocean, c'est génial. Une alien, bah écoutez, pourquoi pas. On va profiter pour mettre l'implant en marche. Donc on voit qu'on a récupéré quelques nouvelles... hop. Tech, excusez-moi, je vais y arriver. Donc là, il va falloir que je... commence à améliorer tout ça. Mais bon, comme on va avoir, encore une fois, un autre bout de vaisseau, une fois qu'on aura 4 diamants, effectivement, on aura de quoi... de quoi résister, entre guillemets. Mais par contre, oui, il va me falloir des coffres à chier partout, maintenant. Ouais. Hop, qu'est-ce que j'ai par là? Parfait, j'ai un petit peu d'espace. Ah oui, j'avais un deuxième... Hop. Yo, est-ce que tu survis? Tu survis, tu te déplaces pas des masses, mais tu survis. C'est intéressant. Ok. Toute la bouffe, je vais la mettre par là, ça aussi. Ah oui, il me fallait encore aussi du comment du... Ça, je peux le virer. Hop, ça c'est presque plein. Il fallait encore du cuir aussi, chers amis. Là-dedans, peut-être pouvoir mettre un petit peu de cette saloperie. Ah, vite, hein. Hop. Alors, il va falloir que je commence à ranger tout ça. Avant de me retrouver dans le caca. Ok. Et en troisième, on n'a pas trop de... Non, ça va. Ok. Bon, bah, beam down. Descendons sur cette planète. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? Planète de type alien, donc, chers amis. Hein.
Ok. Oh, joli. Hop. On a aussi ça. Donc on va descendre. Hein. On va aller chercher des diamants. Avant tout. Yo, t'es inoffensif, c'est sympa. Toi tu l'es pas. Tu l'es clairement pas. Yo. Hop, parfait. On descend. Donc comme d'habitude, chers amis, plus on descendra, plus on aura la chance de trouver des matériaux qui nous seront utiles. Hop. Un petit peu de chance. Que de l'argent, malheureusement. Pas tant de chance que ça, donc. On descend. Hop. Forcément, j'aurais dû m'en douter. C'est de l'eau normale. Ah, qu'est-ce que c'est? Des diamants. 4 diamants. Plus de 4 diamants, mais c'est génial. Tellement de diamants, chers amis. Tellement de diamants. Hop. Excellent. Oh là là, regardez-moi cette quantité de diamants. C'est incroyable. On venait pour ça, remarque, hein. Oh là là. On ne s'arrête plus. C'est pas le bon onglet, c'est dommage. Hop, on va en profiter. Nous sommes donc déjà à une dizaine de diamants. 13 diamants. Oh, c'est complètement inespéré, chers amis. Hop. Et voilà, une vingtaine de diamants. Petite vingtaine de diamants en quelques secondes. Si c'est pas magique. Qu'est-ce qu'il vous faut, chers amis? Franchement, off, encore. Et un de plus. Voilà. C'est le paradis du diamant. Bon, 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 dans la mine, dans la mine, dans la mine. Allez, creuse, 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 creuse. Creuse un tunnel, vite, creuse un tunnel, et puis un plus grand tunnel, c'est quoi? Vite avant que les hyènes viennent creuse. Ok. Oh. C'est étrange par là. Oh là là. Là il y a de la sale bête. Voilà. Dégagez! Non! Boum! Dégage! C'est qu'elles font mal en plus. Ok. Wow! Raté! Ok. Eh B. Et même pas celle-là, hein. Ok. Bon, on va descendre. Oh, intriguant. Un coffre. On va aller le chercher. Alors comme toujours, j'essaie de préserver un petit peu mes pixels, hein, même si ça m'arrive si souvent de mourir. En prévision des overbikes, donc. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien d'extrêmement intéressant. Par contre, ici, on a un diamant et surtout nos premiers, hop, véritables objets de soins. Faut pas les nommer différemment, malheureusement. Hein, c'est vraiment ceux-là qui vont tout changer, entre guillemets. Hop, on a un petit peu de viande. Voilà. Ce qui va donner un petit heal continu entre deux. Allez. Enfin, mieux que ça, quand même.
Voilà. Merci. Putain, mais t'attends que j'ai dos tourné, toi. Ça fait pas ça. Hop. Ah, tu. Un comment un coffre. What? What? Voilà, laisse-moi tranquille, merci. Putain. Ok. Donc heureusement, on a une petite régène. Je l'ai prise ou pas? Petit lag aussi. Petite régène, petit lag. Hop. Oh. Le jeu qui me cherche. Prendre un steak, c'est pas grave. Ça c'est dégueulasse. Putain. Je déteste ça. Hop là. Il est pas mort ? Putain, j'ai entendu le bruit comme s'il était mort. Étrange. Vraiment étrange cet endroit, hein. Ok. Non, pas vous. Non, bien joué. Aïe. Putain. Salaud. Bla. Bon, ils sont balèzes. Au nom de Dieu. Au nom de Zeus. Alors ? Hop, on redescend. Après tout, on va faire le tour de la planète, hein. Ça pourrait être pratique. Vu ce qu'on a bouffé. Oh putain, la vache. Je garde le boomerang, hein, parce que bon, je sais qu'on en aura besoin maintenant. Et il revient, hein. Il revient quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que ça me semble... suspect. Rien, rien, rien. Rien non plus. Couché, sale bête. Non, tu sais pas sauter. Couché. Hop. Je dis ça, mais à tout le coup, il y en a un qui va sauter à un moment ou à un autre, qui va me faire vachement mal. Hop les... C'est quoi ce machin noir? Pardon, c'est quoi ce machin noir qui saute? Hop les... Je les ai eus. Il y en a un autre. J'aime pas ces trucs là. Crache des cendres. Dégage. 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 Voilà. Je préfère. Il y a un plan là. Waouh, c'était quoi tout ça? Ah, ça devait être un coffre. Hop. Oh. Sharpened claw. D'accord. Can be used for crafting. Je ne sais pas encore pour crafter quoi exactement, mais... pourquoi pas.
Dégagez. 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 Merci. Merci de bien vouloir respecter mon autorité. Tu peux pas. Tu peux pas, t'es bloqué. Tu ne connaissais pas la loi du bon sens. Boum. T'autorise à mourir. Voilà, merci. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que ce heal allait être efficace? C'est le début des heals intéressants là en fait. Ok. Bon. Eh ben on trouve pas grand chose, chers amis, soyons honnêtes. Raté. Archul. Hop. Oh, un coffre. Qu'est-ce que c'est? Gauntlet! Fist weapon! Press Q to initiate a duel. Wow. Ça j'en veux. Si on pouvait en avoir deux, ça serait encore plus cool d'ailleurs. Pépéré péré. Ah merde. On peut pas faire un coup de Loken par contre, c'est dommage. Yo. Vous êtes terminé. Quel est cet endroit? Pourquoi n'y a-t-il rien? Par contre, le gauntlet, ça a l'air complètement naze au niveau des monstres. Hein. Comparé à cette arme. Aïe, dégage! Apparemment, il n'y a plus personne. Il y a un truc qui s'est pris des dégâts tout à l'heure, mais je sais pas c'est quoi. Salut, mec! Ça fait mal? Ok, ça a dû faire mal parce que bon, ils ont pas apprécié. Hein. On continue. Bonjour. Ok. Du poison, génial, j'avais pas vu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouffer un steampack rouge si on en a. On en a pas. Donc tant pis, on bouffe un steak. Ok. Un endroit nul. Parfait, on continue. Ah merde, je l'ai attaqué. Mais non, je te voulais pas de mal, mon gars. Qu'est-ce que... Ah, c'est bon, je l'ai eu. Wouhou. Un coffre. Avec une dague et surtout du... Ça devait être du titanium. Qu'il nous faut donc en grande quantité. J'étais stupide. S'il nous faut du durastine, il nous faut du titanium en grande quantité. Je suis stupide. Le durastine est un alliage. Normalement. Ça n'a pas changé. Le durastine est un alliage. Donc normalement de ce côté-là, on devrait être bon. Enfin, quoique bon, tout est relatif. Hein. Je crois que c'est pas avec de l'or d'ailleurs. Ce serait catastrophique si c'était avec de l'or. Hop. Parfait. C'est quoi ça? Bouncing shot. Huh. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant. Vous comprendrez pourquoi.
À l'heure actuelle, nous avons deux matériaux manipulateurs. Est-ce qu'on peut se faire... Combien on peut s'en faire? Deux. Parfait. On va donc pouvoir augmenter la puissance de notre... Hop. Voilà. J'avais confiance, hein. Faut toujours avoir confiance en son arme, chers amis. Là, j'y vois rien d'intéressant. D'ailleurs, vraiment rien. Hein. Toujours de petites quantités de pixels là-dedans, mais bon, c'est toujours ça de prix, hein. Hop. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, Rocket Launcher 43. Celui-là il fait. Le mien il fait 20. Oh, voilà. C'est le même en mieux en fait, chers amis. Regardez. Youhou. Et il fait des dégâts de glace toujours. D'accord. C'est vraiment le même en mieux alors. Génial. Hop. Mince. Voilà. Quand je disais que c'était le même en mieux, je pouvais pas mieux le décrire en fait. Par contre, au niveau du Durastil, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Ok, il fait mal. Je vais dire un truc, c'est qu'il fait vachement mal. Hop, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ici on a un tam tam, un truc de téléportation, mais c'est bien, on trouve des instruments en plus, c'est génial. Hors de portée, tu connais? Aïe, bah celui-là il m'a touché par contre. Je peux vous assurer qu'il m'a touché. What? T'es quoi toi? Dégage. Dégage, t'es moche. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Hop. Tu m'as rien donné, par contre. Ah, c'est déjà plus chiant, ça. Pas rien à récupérer. Sympa, ces petits trucs-là. Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'ils marchent? Il marche. Dommage. Je préférerais que tu voles. Quelqu'un qui veut se la mettre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se la mettre? Ah, les yeux tombent. Intéressant, je ne savais pas. Parfait, j'aurais peut-être pouvoir être en mesure de passer. Hop. Oui, j'ai récupéré une tonne de piles d'yeux. C'est génial. J'aimerais sortir, s'il vous plaît. On va passer par là. Je sais pas ce que je vais faire de tous ces yeux, mais bon, c'est pas grave. Hop. Boum. Un moment où elle se guide tout seul en fait. Boum. Boum. Il n'y a pas grand chose, il y avait un ennemi. Dès que je dis quelque chose. Hein. Hop. Hop. Et juste pour changer de sens. Hop, voilà, ça c'est fait. Et une fois de plus, il ne m'a rien lâché malheureusement. Je commence à avoir des doutes sur ce mec. Oh, des putains de Floran encore.
J'ai pas le niveau, hein. J'ai malheureusement pas le niveau. J'ai pas l'armure du Durastil, donc j'ai pas le niveau de la zone, en fait. Hein. Ah, ça va être drôle. Ah, je m'attendais à mieux, à vrai dire. Bon. Comment qu'on remonte? Ouais, on va creuser. Hop, ressortons par là. Bla. Voilà. Bon. Salut mon pote. T'as pas l'air méchant pourtant. Je t'aime pas, c'est physique, je suis désolé. Sharpened Claw. Je préférerais que tu me donnes un œil. Un gros œil bizarre. Je l'avoue. Hein? Je peux le clic droit et le bouger en fait, c'est cool. C'est pas mal cette arme au final. Ok, un coffre. Encore, génial, bon c'est pas mal. En tout cas on augmente bien nos pixels, c'est cool. Là. Bonjour, bonjour. Putain. Non, au revoir. Non. Alors, bonjour. Eh ben on a fait le tour, chers amis. Bah écoutez, on va essayer de se faire une armure, hop. En Durastil, on va regarder ce qu'il nous faut, hein. Je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut, malheureusement. Durastil, Durastil, bah non, c'est pas le bon endroit, là. Steelbar. Durastil, il n'y en a pas. Ici. Il n'y en a pas non plus. Ah bah oui, je suis con. Je suis con, chers amis, on a oublié un truc. Dans le précédent épisode, dans un des précédents épisodes quand nous avons récupéré, voilà, le processeur, il nous faut aussi 5 titanium bars. Et normalement, on a ce qu'il faut d'ailleurs, je pense, pour les fondre. Voilà. On peut avoir une nouvelle table de craft, j'étais stupide. J'aurais dû y penser. La voici. Hop, on enlève celle-là, qui n'est du coup plus du tout utile. Hein. Je tiens à le préciser. On la remplace par celle-ci. Et donc on y trouvera des choses déjà un peu plus intéressantes. En l'occurrence, la Atomic Furnace, qui est en fait l'évolution encore une fois du four, hein, vous en doutez. J'ai pas vu ce qu'il me fallait exactement. Silver Bar. Je crois que le silver c'est ce que j'ai pas voulu prendre plusieurs fois. Heureusement j'ai de la chance. Mais ça s'appelait pas Atomic Furnace avant, hein. Je tiens à préciser quand même. C'est là que ça fait mal. Non, ça va. J'entendais la pire, on va dire. Ok. Ah bah là, si ça fait mal. Je peux plus rien mettre dessus, c'est cool. On va mettre ça là, c'est pas grave. Alors, ça. Ça, 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 ça. Ça. Hop. Ça, ça sert aussi à la même chose, donc on peut les mettre avec. Ok. Tout ça maintenant, hop. Ok, et donc, il nous reste encore une fois un objet normalement réalisé, qui est le réplicateur, qui nous demande donc 20 Durastil Bar, que l'on peut réaliser dans l'Atomic Furnace, qui nécessite donc de la Silver Bar et du Titane, j'aurais dû m'en douter. Silver Bar, Silver, Titane, Titane. Hop. Silver bar. Ok, voilà. Et donc on peut réaliser 8. Voilà. Et il nous en fallait forcément un peu plus. Tous les coups. Hop. Il nous en fallait 20. Eh ben écoutez, on redescend, on va aller chercher tout ça. Donc, argent et comment que ça s'appelle, titane. Et donc ça, chers amis, on ira le farmer dans le prochain épisode pour vous, chers amis.
Moi, je vais descendre un peu plus bas, comme ça permet de ne pas vous faire refaire la descente. Hop, on va si le jeu veut bien me laisser le faire. Non. Hop, et par exemple ceci, on va aller le récupérer. Oh non! Aïe! Génial. Ça va même détruire les trucs. De mieux en mieux. Bon bah voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous retrouverez le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.